Quelles sont les 5 chaînes YouTube où tu manquerais aucune vidéo pour rien au monde? Quelle est ta vidéo préférée? I don't know. Quels sont tes plus grands rêves? Cher journal, aujourd'hui j'ai rêvé. J'ai rêvé que je pouvais vivre de mes arts et que j'étais libre. J'ai rêvé aussi d'une ferme avec plein de poules, des ânes, des chevaux, des chèvres, des poules, mais aussi plein de chats et aussi des poules. Un refuge où animaux et humains peuvent vivre ensemble. Cher journal, garde mes rêves au chaud. Comment choisis-tu tes sujets? L'envie, l'actualité? Oh, eh bien, vous savez, moi, je travaille plutôt à l'inspiration, c'est-à-dire que je capte les sujets comme ça, dans l'air, hop, une conversation, hop, un livre, hop, une image dans un film, et voilà, mon symbolique est prêt. Non, je déconne. La plupart du temps, je note donc cette idée de symbolique, et puis après, je note comme ça mes idées à la va-vite. Et ensuite, si l'idée me plaît, eh bien j'écris, et si l'inspiration va jusqu'au bout, eh bien je sors ce symbolique. Mais le plus souvent du temps, je les écris à moitié, et puis ils mettent des années à sortir. Mais sinon, depuis quelque temps, je me base sur l'actualité du cinéma. Par exemple, j'ai commencé avec ça, pour faire le symbolique sur les clowns que je n'avais pas envisagé de faire précédemment. L'année prochaine, j'ai déjà prévu un symbolique en fonction d'un film qui va sortir. Pas le meilleur, mais au moins son titre est très équivoque. C'est pratique. Comment vois-tu ta chaîne dans 5 ans? As-tu des projets en tête? Mes chers compatriotes, pour ces 5 ans à venir, j'espère que la chaîne va prospérer. J'espère que la qualité sera au rendez-vous. Il y aura aussi un dialogue avec d'autres chaînes, je l'espère, et moult projets à l'avenir. Et tout ceci car C'est notre projet! Alors abonnez-vous en 2018. Et celle que tu aimes le moins? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Connais-tu le Bechdel test? Est-ce que c'est important pour toi? Oui, j'en ai parlé dans une vidéo. J'y pense parfois quand je regarde un film en me lamentant souvent. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la bonne voie. As-tu de nouveaux trucs sur ta chaîne maintenant que t'es célèbre? Oui, j'aimerais bien mettre quelques projets en route, mais je ne trouve pas encore l'inspiration ou le truc qui les lance. Et puis parfois j'ai peur de ne pas y arriver. Oui, je sais, ce n'est pas une excuse, mais vraiment je marche à l'instinct. Tant que je le sens pas, ça ne sort pas. Est-ce que tu as fait des études en lien avec symbolique ou es-tu juste une passionnée? Quoi? Non, je suis juste une passionnée, je suis censée être... ingénieur informaticien. Et graphiste, voilà, rien à voir. Est-ce que tu aimes quand on tend d'huile? J'aime me beurrer la biscotte. Vois-tu les symboles par toi-même ou te documentes-tu? Eh bien, le plus souvent, j'écris directement ce que je pense que le symbole est ou son cliché le plus habituel. Et ensuite, je vais voir dans les quelques livres que j'ai si ce symbole correspond à ce que j'avais imaginé. Et ensuite, je vais voir dans les films si ce symbole est toujours utilisé de la même manière ou s'il y a des divergences dans la limite de mes capacités. Je ne suis pas un robot. Je n'ai pas vu tous les films du monde. Quel est ton dinosaure préféré ou et animal disparu préféré? C'est qui ton docteur préféré? Allô, Christopher? Ah non, c'est toi, David. Ah ouais, je suis désolée. Je t'adore comme acteur, mais pas du tout dans Doctor Who. Oh non. Vas-tu oublier les copains que t'avais avant? Mais oui, c'est clair! Y a-t-il plus de vivants ou de morts sur Terre? Huh?